Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ouverture, et plutôt la présentation, devrais-je dire, du deck Cyber Strike, ou Assaut Cyber en français. Alors, je me suis procuré du coup 3 decks, puisque dedans il y a une carte en fait qui m'intéresse, mais genre vraiment beaucoup. Mais on m'a dit beaucoup de bien du deck, comme quoi il était sympa, qu'il y avait des trucs cool. Alors on va voir carte par carte ce qu'il y a dedans, les effets qu'il y a, et compagnie. On va essayer d'analyser un petit peu le deck et voir ce qu'il en retourne. Hop, alors... Déjà, on va l'éventrer. Du coup, il y a mon chat qui fait ses griffes sur l'arbre à chat en même temps que j'ouvre le deck. Alors déjà, le famoso tapis. Bon, le petit tapis de base, bien évidemment, qui représente Cyber Ténébreux. Voilà. Bon, alors déjà, on a en ultra, du coup, la chimère Cyber Ténébreuse. Vous pouvez défausser une magie piège, ajouter un lien de puissance depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser qu'un des monstres Cyber, Dragon ou Machine comme matériel de fusion ce tour, et aussi... Une fois, lorsque vous invoquez par fusion ce tour, vous pouvez aussi bannir un ou plusieurs monstres depuis votre cimetière comme matériel. Cette carte envoyée au cimetière, vous pouvez envoyer un autre monstre, enfin envoyer un monstre quoi, Cyber Ténébreux depuis votre deck au cimetière, au nom différent des cartes dans votre cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Sympa de l'avoir sorti en ultra, elle est plutôt jolie. Le Royaume Cyber Ténébreux, donc une magie continue. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre Cyber Ténébreux depuis votre deck à votre main de nom différent. De nom différent, oui, mais des cartes dans votre cimetière. C'est ça que je comprends pas, cet effet de nom différent des cartes dans votre cimetière. Donc t'actives cette carte, tu peux ajouter un monstre du coup Cyber Ténébreux depuis ton deck à ta main, de nom différent des cartes dans ton cimetière. C'est-à-dire si t'as des monstres du même nom dans ton deck et dans ton cimetière. En vrai, ça favorise du coup à éviter de jouer tout en x3, parce que tu vas te retrouver rapidement bloqué, je pense. Dans votre main de phase, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoquer normalement un monstre Cyber Ténébreux. Vous ne pouvez utiliser l'effet précédent de Royaume Cyber Ténébreux qu'une fois par tour. Logique, heureusement, si vous équipez un monstre depuis votre cimetière par l'effet d'un monstre Cyber Ténébreux qui s'est activé lorsqu'il a été invoqué normalement ou spécialement, vous pouvez équiper dans le cimetière de votre adversaire à la place. Sympa, vous ne pouvez activer qu'un Royaume Cyber Ténébreux par tour. Très sympa. Ouh, un dragon cyber ultime. Très joli. Alors, j'aurais pensé que ça aurait pu être en ultra, mais c'est une... Ah si, elle est en ultra, autant pour moi. Je voyais pas trop le sigle lumière briller, mais si, c'est bon. Bon, le cyber dragon, hein, 3, du coup, cyber dragon pour être invoqué. Bah, cette carte attaque un monstre en plus une défense. Elle fait des dommages perses. Très très belle, très très belle. Le dragon ultime cyber ténébreux aussi, très 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 belle, hein, on va pas se mentir. Pareil, un cyber ténébreux plus dragon cyber ultime. Donc c'est-à-dire un cyber dragon cyber ténébreux plus lui en fusion. Alors, uniquement soit invocable par fusion, soit invocable spécialement en sacrifiant un monstre fusion cyber ténébreux de maximum niveau 10 équipé avec cyber dragon ultime. Donc il suffit juste peut-être d'équiper cyber dragon ultime par les effets, ça doit pouvoir se faire facilement. Alors non affecté par les effets activés de votre adversaire. Ah, par les effets activés. Du coup, l'adversaire active un effet. Non, non, ça ne me touche pas. Une fois par tour, vous pouvez équiper un monstre depuis l'un des cimetières à cette carte. Chaque battle phase, cette carte peut attaquer un nombre de fois inférieur ou égal au nombre de cartes d'équipement qui lui sont équipées. Intéressant. Intéressant. En plus, à 5000 d'attaque, 3008, elle est pas dégueu. Horizon cybernétique. Cette carte est toujours traitée comme une cyber ténébreux. Envoyez deux monstres cyber dragon et ou machine d'attributs différents au cimetière, un depuis votre main, un depuis votre deck. Ajoutez un monstre cyber dragon ou machine depuis votre deck à votre main. Si vous le faites, envoyez un monstre fusion cyber machine depuis votre extra deck au cimetière. Intéressant, vous ne pouvez activer qu'un horizon cyber. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres. Monstre machine exclu depuis l'extra deck, le tour vous activez cette carte. Le Hertz, cyber dragon Hertz, ok. En super, donc pas mal. Non, cette carte donc devient Cyber Dragon, elle a deux effets. Cette carte invoquée spécialement, vous pouvez faire devenir de niveau 5 de cette carte jusqu'à la fin du tour. Et aussi, vous pouvez invoquer spécialement de... Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, bien évidemment, machine exclue pour le coup. Il va falloir faire très attention du coup quand on fait les effets. Si c'est un machine exclue ou un dragon exclu, ce genre de choses, on peut très facilement être bloqué. Cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un autre Cyber Dragon depuis votre deck. Ou cimetière à votre main. Je pense qu'il sera beaucoup plus utile pour le deuxième effet. Un déploiement fusion. J'en les collectionne en ce moment. Cette carte, elle me coûtait la peau du cul pour terminer mon deck Amazon. Là, il y en a plein, quoi. C'est ouf. Infini éphémère, la carte que je recherchais à tout prix, du coup. Dans le... Ah, on n'a pas lu Infini fusion. Excusez-moi. On révèle un monstre fusion depuis l'extra deck. Et grosso modo, on peut spé un des matériels listés dans les matériels nécessaires pour la fusion. Voilà, je vous le résume simplement. Bon, Infini éphémère, est-ce que j'ai vraiment besoin de la présenter? Si ma monstre face recto contre votre adversaire, annulez ses effets jusqu'à la fin du tour, puis cette carte était posée avant l'activation sur le terrain de la résolution, tous les autres effets de magie piège dans la colonne sont annulés le reste de ce tour. Si vous ne contrôlez aucune carte, bah on peut la jouer depuis la main.
Alors, Cybern fixation. 1600, vous pouvez cibler un monstre cyberdragon ou machine que vous contrôlez, équipez lui cette carte depuis votre main ou terrain. Tant que cette carte est une carte équipement, le monstre équipé gagne 600 d'attaque. Cette carte est envoyée au cimetière tant qu'elle est équipée à monstre, vous pouvez cibler un autre monstre cyberdragon ou machine entre cimetière, recueillez spécialement. Ça va tourner facilement avec le cimetière, le deck et le terrain, tout ça. Bon, un cyberdragon, bon, ça on le connaît, voilà, si c'est sur l'adversaire contrôle un monstre et que je n'en contrôle aucun, je peux la spécifier même. Hein. Cyberdragon se veille. Donc cette carte devient Cyberdragon tant qu'elle est dans votre cimetière. Une fois par tour, vous pouvez révéler une magie dans votre main jusqu'à la fin de phase. Donc cette carte devient Cyberdragon. Si cette carte attaque un monstre de l'adversaire, elle gagne 300 d'attaque. Pardon, dommage step. Elle me fait penser au tigre de Topaz dans le deck bête cristalline qui gagne de l'attaque lorsqu'elle attaque. Cyberdragon Drey. Pareil, le nom de cette carte devient Cyberdragon tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez faire devenir niveau 5 tous les Cyberdragons que vous contrôlez actuellement. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres en machine actuelle le tour où vous activez cet effet. Cette carte est bannie. On peut cibler un cyberdragon qu'on contrôle. Ce tour, il peut ni être détruit au combat ni par des effets de carte. Ça peut être très intéressant pour le sauver, ça. Pour sauver les cyberdragons. Cyberdragon Vierre. On a Svei, Drey, Vierre. Du coup, le nom de cette carte, cyberdragon aussi. Celle-ci, alors, elle permet, si on invoque normalement ou spécialement... Donc, si on invoque, pardon, normalement ou spécialement un cyberdragon... Sauf durant la Damage Step, bien évidemment, heureusement. On peut invoquer spécialement cette carte depuis la main en position de défense. En position de défense. C'est dommage en position de défense. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Cyberdragon qu'une fois par tour. Chaque Cyberdragon que vous contrôlez gagne 500 d'attaque et de défense. C'est pas dégueu. Cyberdragon Nashter. Le nom de cette carte devient Cyberdragon tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Vous pouvez défausser un autre monstre invoqué spécialement cette carte depuis votre main. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Vous pouvez cibler un monstre en machine avec 2100 d'attaque ou défense dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre. Monstre en machine exclut le reste de ce tour. Vous pouvez utiliser chaque effet de Cyberdragon Nashter qu'une fois par tour. Le noyau Cyberdragon. En vrai, il y a vraiment une base pour ceux qui veulent faire Cyberdragon. C'est hyper intéressant. Pareil, il devient Cyberdragon tant qu'il est sur le terrain ou dans le cimetière. C'est invoqué normalement. On peut ajouter une magie piège Cyber depuis le deck à la main. Et si mon adversaire contrôle un monstre, et lui uniquement, je peux bannir cette carte depuis mon cimetière, invoquer spécialement monstre Cyberdragon depuis le deck. Il faut savoir qu'elle s'appelle Cyberdragon tant qu'elles sont dans le terrain ou le cimetière, donc faire attention aussi avec ça. Un Cyberpharos, je me doutais qu'ils allaient mettre un Cyberpharos dedans. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en sacrifiant un monstre invoqué par fusion. Ah non putain, j'ai sauté une ligne, j'allais dire un monstre invoqué par fusion. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en sacrifiant un monstre machine une fois par tour. Donc c'est-à-dire on peut l'aspect avec un sacrifice, ce qui peut être vachement intéressant pour faire des combos après en bannissant d'autres cartes, en les faisant revenir. Du coup, Cyberpharos, c'est bien ce que je pensais, elle est très utile dans le deck Cyberdragon. Une fois partout durant la même phase, on peut invoquer par fusion un monstre fusion machine depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis la main ou terrain comme matériel. Lorsqu'un monstre fusion qu'on contrôle est détruit au combat, on peut bannir cette carte depuis le cimetière, ajouter un lien de puissance. Ah, celle-là, je l'attends, le lien de puissance. Naga Cyber. Je pensais qu'il y avait plus de Cyber Ténébreux que ça pour l'instant. Honnêtement. Il y a énormément de Cyberdragons, je me dis il reste plus beaucoup de cartes en plus. Alors elle a 3 effets, on peut en activer qu'un seul de ces effets. Lorsqu'elle est ciblée par une attaque, on peut bannir cette carte, piocher une carte, terminer la battle phase. Ok, très intéressant, je ne connaissais pas Naga Cyber, mais du coup ça m'intéresse pour un autre type de deck, mais je sais pas. Est-ce qu'elle est jouée dans Cyberdragon? Dites-le moi dans les commentaires, mais je crois pas qu'elle soit jouée dans Cyberdragon celle-ci. Je n'ai pas lu encore les deux autres effets, je vais pas vendre la peau du cyber avant de l'avoir tué. On veut cibler un monstre face recto qu'on contrôle et cette carte, on bannit les deux cibles, on pioche 2 cartes, et après on peut cibler une carte dans le cimetière, on bannit cette carte, ainsi qu'une carte depuis notre main, puis on place la cible au-dessus du deck. Ouais, c'est pas un piocher quoi. Cyber Phoenix. J'avais construit un deck Cyberdragon pur pour Marine, ça me fait rire parce que du coup j'avais mis Cyber Phoenix, mais je crois qu'elle aimait pas trop. Pourquoi elle aimait pas trop? Déjà, 1002-1006, monstre 4 étoiles, dans cette carte en position d'attaque, annule les effets de magie piège qui cible un autre monstre machine contrôlé et aucune autre carte. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez piocher une carte. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de cartes qui permettent de piocher, mine de rien. Ça y est, on a enfin du Cyber Ténébreux. Enfin, Cyber Corne, Cyber Ténébreuse, du coup, une corne. Cette carte invoquée normalement, ciblez un monstre dragon de maximum niveau 3 dans votre cimetière, équipez le monstre dragon à cette carte, gagnez une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui lui est équipé par cet effet. Cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants. Cette carte va être détruite au combat, détruisez le monstre équipé à la place. Tranchant Cyber Ténébreux.
Cette carte est invoquée normalement, ciblez un monstre dragon de maximum niveau 3 dans votre cimetière, équipez le monstre dragon à cette carte, gagne attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui a été équipé par cet effet. Cette carte peut attaquer directement, si elle le fait en utilisant cet effet, son attaque est divisée par 2 durant le calcul des dommages uniquement. Cette carte va être détruite au combat, détruisez le monstre équipé à la place. Que Cyber Ténébreuse, cette carte invoquée normalement cible un monstre d'ADS, ok, on a compris. Une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui est équipé par cet effet. Cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, inflige 300 points de dommage à votre adversaire. Cette carte va être détruite au combat, détruise le monstre équipé à la place. Et le canon Cyber Ténébreux qui a pareil deux effets, donc cette carte envoie le cimetière, blablabla. Alors on peut défausser cette carte, ajouter un monstre Cyber Ténébreux machine depuis le deck à la main, ou durant le calcul des dommages, si un monstre équipé avec cette carte combat, on peut envoyer un monstre depuis le deck au cimetière. Gris Cyber Ténébreuse, cette carte est envoyée au cimetière, si elle est envoyée au cimetière, en tant que... tant qu'elle est équipée à un monstre. Alors j'essaie de comprendre un petit peu le mécanisme, c'est-à-dire si elle envoie au cimetière tant qu'elle est équipée à un monstre. Du coup... avec le plumeau, elle est détruite comme carte équipement, donc là l'effet passe par exemple. On peut cibler un monstre cyber ténébreux dans le cimetière, on l'ajoute à la main. Ok, on peut faire ensuite un seul des deux effets suivants. On peut défausser cette carte, ajouter une magie pièce cyber ténébreux depuis le deck à la main. Ou, dans le calcul des dommages, si un monstre équipé avec cette carte combat, on peut envoyer un monstre depuis notre extra deck au cimetière. Langling. Alors, monstre dragon union. Ah, ça faisait longtemps que j'ai pas vu un monstre union. Une fois par tour, on peut soit cibler un monstre face recto qu'on contrôle, équiper cette carte à la cible, soit déséquiper cette carte et l'invoquer spécialement. L'attaque d'origine d'un monstre équipé avec cette carte devient 1000. Il peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase. Et aussi, si le monstre équipé va être détruit au combat ou par un effet de carte, détruisez cette carte à la place. Ouais, ouais, c'est pas ouf. Oh, un petit kaiju. Bon, les kaiju, vous connaissez. Grosso merdo, il y a un monstre chez votre adversaire. Vous dites, eh ben non, je vois ton monstre au cimetière, je mets lui à la place, et voilà. Voilà, on a fait simple. Oh, il y a du gizmec. Franchement, j'ai la flemme de lire le truc du kaiju, c'est juste ça. Vous avez compris l'effet. Après, c'est double tranchant, parce que si vous voulez un kaiju, vous pouvez spé du coup un kaiju sur votre terrain, si un kaiju sur le terrain adverse. Ça peut être bénef. Mais du coup, on va venir juste deux secondes sur lui. Lui, il vaut mieux le jouer sur le note de terrain, parce que c'est un des kaijus qui a le plus grosse attaque. Le trancheur céleste Serpentum, si cette carte est dans votre main ou cimetière effet rapide, vous pouvez bannir face verso 8 cartes au-dessus de votre deck, invoquer spécialement cette carte. Vous pouvez bannir face verso 3 cartes depuis votre extra deck, puis cibler un monstre face recto sur le terrain, détruisez-le. Ok, donc c'est un gizmec qu'on s'est permis de bannir. Vendogra, ça va aller à la poubelle ça. Vous pouvez payer 3000 points de vie, envoyer un monstre depuis votre extra deck au cimetière. On va rien dire. Là pour le coup, c'est caca. Donc, c'est une vieille carte, si j'ai pas de bêtises, Vendogra. Cyber éternel, cyber monstre fusion cyber machine dans votre cimetière, envoyez-le à l'extra deck ou invoquez-le spécialement en ignorant ses conditions d'invocation. Là ça peut être intéressant. Du coup, j'ai rien dit. Peut-être que Vendogra, du coup. Il faut voir ce qu'on peut faire derrière, s'il n'y a pas une link ou un truc intéressant, pour s'en débarrasser parce que ça peut être dangereux. Mais il y a d'autres cartes en plus qui permettent d'envoyer... Donc non, en fait, c'est de la merde. Ok, spécialement, en ignorant ces conditions d'invocation, si on a plusieurs monstres fusion cyber machine que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place, vous pouvez utiliser chaque effet, donc une fois par tour, logique. Usine de cyber réparation, donc on va avoir beaucoup du coup de cartes magie piège pour cyber. Si cyber dragon est dans votre cimetière, vous activez un de ses effets. Si vous avez minimum 3 cyber dragons dans votre cimetière à l'activation de cette carte, vous pouvez activer les deux effets. Résolvez-les dans l'ordre. Alors, premier, on ajoute un monstre lumière machine depuis notre deck à la main. Deuxième effet, on cible un monstre lumière machine dans le cimetière, on mélange la cible dans le deck. Logique, sinon tu fais d'abord le deuxième pour le premier. Je récupère ce que je viens d'envoyer. Cyber urgence, ajoutez un monstre lumière machine qui ne peut être qu'invoqué posé normalement. Ou un monstre cyber dragon depuis notre deck à notre main. Si l'activation de cette carte en possession de son adversaire est annulée par un effet de carte d'un adversaire et envoyée au cimetière, on peut défausser une carte et ajouter cette carte à la main. On peut activer du coup son effet qu'une fois par tour. Intéressant, vraiment intéressant. Fusion cyber chargement. Par fusion, un monstre fusion depuis l'extra deck qui liste un monstre cyber dragon comme matériel en mélangeant les matériels de fusion listés ci-dessous dans le deck. Parmi les cartes sur le terrain et ou cartes bannies face recto. Mais les monstres que vous contrôlez, monstres invoqués par fusion exclus, ne peuvent pas attaquer le reste de ce tour. Ça me fait penser un petit peu à la carte en support Blue Eyes qui vient de sortir dans les teams.
Un pack cyber ténébreux, invoqué par fusion, un dragon cyber ténébreux de votre extra deck en mélangeant une corde cybernétique, un tranchant cyber ténébreux et une queue cyber ténébreuse. Depuis votre main, terrain ou cimetière, combattant de fusion. Oula. Inferno cyber ténébreux, le terrain. Alors, les monstres effets cyber ténébreux que vous contrôlez qui sont équipés avec une carte d'équipement ne peuvent pas être détruits par des effets de carte de votre adversaire. Et aussi, votre adversaire ne peut pas les cibler avec des effets de carte. Vous pouvez cibler un monstre cyber ténébreux que vous contrôlez, renvoyez-le à la main, puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre cyber ténébreux. Est-ce que ça veut dire... C'est ça que je comprends quand ils disent vous pouvez invoquer normalement. Est-ce que ça veut dire on fait une deuxième norme gratos? Vous pouvez me le dire dans les commentaires s'il vous plaît. Là j'ai un petit doute. J'ai jamais dit que j'étais un pro. Si cette carte contrée par son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez ajouter une polymérisation ou magie fusion depuis le deck quand même. Oh, c'est marrant, fusion du futur. Je plaisante pas, il y a bien écrit votre tre-tre, hein, vous allez voir. Voilà, petite mise à jour. Tac. Durant votre stand-by phase, après l'activation de cette carte. Bon, ben voilà, un petit bug, ça arrive. Durant votre stand-by phase, après l'activation de cette carte, montrez un monstre fusion dans votre extra deck et envoyez les matériaux depuis votre main deck au cimetière. Du coup, tu montres le monstre fusion que tu veux, les matériaux, tu les envoies au cimetière et ben, après, je pense que tu peux faire la fusion du coup. Et durant votre deuxième stand-by phase, après l'activation de cette carte invoquée par fusion, monstre fusion, voilà, depuis votre extra deck, du même nom que le monstre que vous avez montré, et ciblez-le avec cette carte. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez la cible. Par contre, du coup, elle est continue, mais il faut vraiment faire attention quand on la joue. Plaque de fusion. Si le monstre que vous contrôlez révèle un monstre fusion dans votre extra deck, et si vous le faites, le nom du monstre ciblé peut être traité comme celui du monstre fusion révélé s'il est utilisé pour une invocation future. Une invocation fusion, pardon, ce tour. Je suis fatigué, j'ai commencé à 4h du matin et là il est 14h, donc ça fait 10h que je bossais, je suis fatigué. Machine de duplication. Cible un monstre machine que vous contrôlez avec maximum 500 d'attaque, invoquez spécialement maximum 2 monstres du même nom que le monstre en face recto depuis votre deck. Ça peut être intéressant du coup. Avec... Ok, je vois déjà des petits combos qui peuvent être rigolos à faire. Il faudra que je teste ça. Limit removal, ça c'est cool. Parce qu'à la fin de ce tour, doublez l'attaque de tous les monstres machines que vous contrôlez actuellement. Durant la end phase de ce tour, détruisez ces monstres. Ça peut être très rigolo pour des petits OTK, ça, mais c'est. Attention, ça peut être dangereux. Il faut bien avoir derrière du secours pour pouvoir tout récupérer. Invasion cyber ténébreuse, une fois par tour, vous pouvez envoyer. Vous pouvez activer pardon, un de ses effets. Cibler un monstre à effet cyber ténébreux que vous contrôlez. Équiper un monstre dragon ou machine depuis l'un des cimetières comme une magie d'équipement qui lui donne 1000 d'attaque. Du coup, on passe au piège. Hein. Vous avez compris, c'est violet, c'est piège. Ouais. Envoyez une carte d'équipement que vous contrôlez, équipez un monstre, machine au cimetière, détruisez une carte contrôlée par votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de invasion cyberténébreuse qu'une fois par tour. Ma foi, n'est-il pas intéressant comme carte? Si, un petit peu. Révolution cybernétique. Sacrifiez un cyberdragon. Invoquez spécialement un monstre fusion depuis votre extra deck qui liste un monstre cyberdragon comme matériel, mais ne peut pas attaquer directement et il est détruit durant la end phase du prochain tour. Il y a des petits combos. Il y a vraiment des petits combos sympas à faire, mais c'est pas assez rapide, j'ai l'impression, malheureusement. Faut voir. J'ai bien fait de les prendre en x3. Bon, après, moi, je les ai pris x3 pour une impair, hein, vous l'avez compris. Dans le calcul des dommages, lorsque vous allez recevoir des dommages de combat d'un monstre attaquant de l'adversaire, envoyez une carte du dessus de votre deck au cimetière pour chaque 500 points de dommage arrondi au supérieur que vous allez recevoir à la place. Putain, c'est cher payé, mais ça peut être intéressant. Appel de lettre hantée. Bon, quand on l'active, voilà, on va rechercher un monstre au cimetière, on le spé. Si la carte est pétée ou le monstre. Si la carte est pétée au cimetière. Si le monstre aussi est pété d'ailleurs. Canadien paléozoïque. Paléozoïque. Si un monstre face recto contré par votre adversaire, changez en position de défense à Zerso une fois par chaîne. Lorsqu'une carte piège est activée, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte comme un monstre normal, aqua au niveau 2, 1200. Cette carte n'est pas traitée comme un piège. Si elle est invoquée de cette façon, cette carte n'est pas affectée par les effets de monstre et aussi bénissez-la lorsqu'elle quitte le terrain logique. Débordement cybernétique. Bannissez un ou plusieurs cyberdragons de niveaux différents depuis votre main, terrain, face recto ou cimetière, puis détruisez un nombre égal de cartes contrôlées par votre adversaire. Pas mal. Cette carte sur le terrain est détruite par un effet de carte. Ajoutez une magie piège cyber depuis votre deck à votre main. Vous utilisez chaque effet qu'une fois par tour. Franchement, c'est pas mal, j'aime bien. Oh, un Chimera Tech Overdragon. Est-ce que du coup, il y a les X6 dedans? Pas de question. Alors, Chimera Tech, du coup, cette carte invoquée par fusion. Renvoyez toutes les autres cartes que vous contrôlez au cimetière. L'attaque défense d'origine de cette carte
deviennent chacune égale au nombre de matériel fusion utilisé pour son invocation fusion x800. Chaque battle phase, cette carte peut attaquer tous les monstres du coup de votre adversaire. Un nombre de... Ah non, elle peut attaquer le nombre de votre adversaire. Les nombres de monstres de votre adversaire. Un nombre de fois inférieur ou égal au nombre de matériel utilisé. Elle est un peu spécifique, mais tu peux te faire un gros truc hein, avec un truc à 5 monstres. Dragon cyber ténébreusement. Alors, 5 monstres à effet cyber ténébreux. D'abord être invoqué par fusion, cette carte invoquée spécialement pour équiper un monstre dragon ou machine depuis votre cimetière à cette carte, gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui est équipé par cet effet. Lorsque votre adversaire... Putain, c'est pété. En vrai, c'est pété, tu sens un gros ton avec ça, c'est ouf. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez envoyer une carte d'équipement que vous contrôlez au cimetière en une activation si vous faites détruire la carte. Par contre, c'est cher, hein. 5 monstres à effet. Faut voir comment on peut le sortir facilement. Alors, corne cyber ténébreuse, donc les 3, la corne tranchant et que cyber ténébreux, du coup, pour l'invoquer. Cette carte est invoquée spécialement, ciblez un monstre dragon dans votre cimetière, équipez la cible à cette carte, gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui lui est équipé par cet effet, gagne 100 d'attaque pour chaque monstre dans votre cimetière. Ça peut être pas mal en vrai en fin de game. Ah, et le petit lien de puissance. Alors pourquoi ils sont à la fin? Ils n'ont pas de rareté pourtant, c'est marrant. Invoquer par fusion. Bah du coup ça permet d'invoquer, oui, par fusion un monstre machine depuis l'extra deck quand ils sont des monstres. Il gagne une attaque égale à son attaque d'origine. Durant la end phase du tour, cette carte activée, vous recevez des dommages égaux au montant d'attaque gagné par cet effet. Tu prends les dommages, grosso modo, de l'attaque de ton monstre. Et fusion surcharge. Invoquer par fusion un monstre fusion ténèbres machine depuis votre extra deck en bannissant les matériels fusion listés sur celui-ci depuis votre terrain ou cimetière. Et c'est la dernière carte, on a fini. Je m'éclate au montage, je déteste lire les cartes comme ça. Bon, alors, qu'avez-vous pensé de ce deck de structure? Est-ce que, du coup, ça vaut le coup de le jouer en x3, en x2? Comment vous pensez le build des compagnies? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, j'ai ma petite idée. J'hésite à vraiment... Soit je le sépare en deux, soit j'arrive à trouver vraiment une combinaison sympa. Je vais y réfléchir, je vais tester quelques combos. Puis on verra ça pendant les lives en Yugi samedi. Du coup, vous saurez si j'ai fait un x2, x3, x... On va voir, on va voir, on va voir. Allez, je vous dis à tous à très bientôt. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et il n'y aura pas tout le temps des vidéos des decks comme ça, parce que ça m'épuise.